Castano, bonjour. Bonjour Carole. Merci beaucoup de nous avoir accueillis et d'avoir accepté notre invitation. Ben, je vous en prie, c'est moi qui suis justement contente que vous m'ayez justement sollicité pour cet entretien. Donc voilà, je suis d'autant plus heureuse de vous accueillir parce que ce n'est pas courant et j'aimerais vraiment que vous nous parliez de ce que c'est le pouvoir quand on est une femme et quand on est pasteur et qu'on est aussi engagé. C'est difficile de parler du pouvoir sans parler de l'autorité. Voilà. Et on dit d'une personne qu'elle, pour moi, selon ma définition, on peut dire d'une personne qu'elle a un pouvoir lorsqu'elle utilise une autorité qui lui est conférée, mais qu'elle utilise avec justice et équité. Là, pour moi, c'est la définition que je donnerais au mot pouvoir. Comment se traduit cette justice et cette équité pour vous dans votre vie professionnelle et personnelle? Est-ce que ça se traduit de la même manière? Oui, en tout cas, pour ma part, vu que je suis une femme de foi, effectivement, j'essaie de faire des choses de manière à ce que tout autour de moi, qu'il y ait quand même un équilibre dans ma vie personnelle et la vie professionnelle, et que j'essaie de mettre chaque chose à sa place. Donc, j'ai plusieurs casquettes et j'essaie vraiment de mettre les choses là où il faut, au moment où il faut, et ne pas mélanger justement les rôles. Et donc, oui, donc c'est une vocation qui... C'est une vocation simplement parce que j'ai foi en Dieu. Hein, et donc, pour moi, il n'était pas possible de pouvoir marcher avec Dieu sans le servir, lui, parce qu'il était le premier à nous servir. Est-ce que vous diriez qu'il y a une différence dans l'exercice du pastorat ou du pouvoir selon si on est un homme ou une femme? Est-ce que vous avez noté une différence? Vous savez, dans la religion, même si pour moi je ne pratique pas une religion, oui, pour moi fait. Ma foi c'est une histoire, c'est une relation que j'ai personnelle avec Dieu, mais quand même dans la religion, le titre de pasteur est souvent plus réservé à l'homme qu'à la femme. Okay. Et ça, c'est depuis la nuit des temps. Hein. Je suis chrétienne. L'église, entre guillemets, qui a commencé, l'église chrétienne, la première église chrétienne, c'est l'église catholique. Tout à fait. Et on voit bien que jusque-là, vous voyez qu'il n'y a pas de femmes prêtres. Il n'y a pas de femmes prêtres. Voilà. Tout à fait. Mais dans l'église protestante, aujourd'hui, il y a des femmes pasteurs, oui. Mais ce n'est pas encore démocratisé, oui. Entre guillemets. Tout à fait. Pourquoi? Parce que le sacerdoce, selon la compréhension des hommes, et soi-disant un travail réservé à l'homme, alors qu'en lisant les Écritures, j'ai découvert que non. Quand on devient enfant de Dieu, il n'y a plus cette limitation de sexe. Voilà. Tout homme, homme comme femme, peut servir Dieu. Maintenant, là encore, c'est une histoire de compréhension, d'interprétation, ouais. Et aussi de sensibilité. Parce qu'on dit tous qu'on est chrétien, mais dans le christianisme et même dans le corps protestant, il y a plusieurs sensibilités, il y a plusieurs courants. Et donc, dans certains courants, c'est juste pas possible. Voilà. C'est pas compréhensible. Voilà. La femme ne peut pas prêcher, la femme ne peut pas apporter la parole, la femme ne peut pas exhorter les hommes parce que c'est pas son rôle. Ça, c'est encore une compréhension que moi j'appellerais archaïque. Absolument. Mais bon, heureusement qu'aujourd'hui, on avance. On entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça a été votre cas ou pas du tout? Pas du tout, pas vraiment, non, pas vraiment. Alors, c'est pas un sacrifice, mais j'ai dû prendre des décisions importantes. Par exemple, une journée, comme je disais tout à l'heure, n'a que 24 heures, donc je ne vais pas passer 2 heures, 3 heures de mon temps au téléphone. Je dois travailler. Lorsque je me lève le matin, je sais ce que j'ai à faire. Une fois que j'ai fini ma communion avec le Seigneur, j'ai une journée qui se déroule, donc je dois bien gérer mon temps. Effectivement, le sacrifice est à ce niveau-là. J'essaie de repousser plus loin tout ce qui est distraction pour pouvoir être efficace dans mes rôles au quotidien. Voilà. Ça, c'est un sacrifice. Si c'est ça, sacrifice, oui, j'accepte ce sacrifice. Mais sinon, non, je ne sacrifie pas un pan de ma vie au dépens d'un autre. Non, d'un autre. Très bien. Ouais. Si vous aviez un conseil ou un message pour une jeune fille qui souhaite devenir pasteur, par exemple, qu'est-ce que vous lui diriez? Alors, est-ce que je peux m'adresser à toutes les jeunes filles d'une manière générale? Absolument. Moi, je sais que beaucoup de jeunes filles ont des rêves dans le cœur, elles aimeraient faire tellement de choses. Le pastorat, comme je disais, c'est une vocation. Si ce n'est pas votre vocation, ce n'est pas évident de dire « Ok, je serai pasteur demain ». Mais d'une manière générale, c'est bien d'avoir un rêve, c'est bien d'avoir une vision, de savoir où est-ce qu'on sera demain, qu'est-ce qu'on ferait demain. Et avoir un rêve, croire à son potentiel,
croire à son identité de femme. Parce que là, on parle de femme et pouvoir. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que ce n'est pas évident pour la femme. Le mot pouvoir, lorsqu'on utilise le pouvoir, on parle du pouvoir. Et j'aime beaucoup votre émission parce que vous mettez femme, pouvoir. Ce n'est pas souvent associé à la femme. Parce que les gens pensent souvent que le pouvoir, c'est juste réservé à l'homme. Et c'est juste réservé à une certaine élite. Juste réservé à certaines personnes qui sont publiques, qui sont visibles. Alors qu'au fond, le pouvoir peut s'exercer même dans l'ombre. Absolument. Et moi, j'ai découvert qu'il y a des grandes personnes, des gens qui ont bougé, qui ont fait changer cette société, qui ont fait avancer les choses. Souvent, c'était des personnes de l'ombre. Tout à fait. Donc, on peut avoir le pouvoir même si on est dans l'ombre. Et pour les jeunes filles, qu'elles ne soient pas impressionnées parce que ce sont des jeunes filles, ce sont des femmes, mais qu'elles croient en leur potentiel, mais croient d'abord à leur identité de femme. Nous avons beaucoup de capacités, beaucoup de talents, beaucoup de choses que le Créateur, qui est mon père à moi, nous a dotées et on peut les utiliser au quotidien. Donc, croire en ce qu'on a. Parce que si on ne sait pas qui on est, on ne connaît pas son identité, quelqu'un d'autre pourra vous dire ce que vous n'êtes pas. Et ça, c'est vous envoyer sur un mauvais chemin. Sur un mauvais chemin, tout à fait. Voilà. Donc, croire en cela simplement. Et puis, surtout, beaucoup travailler. C'est ça. Ah oui, il n'y a pas de secret. Hein. Justement, de pas votre regard par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans votre société et de pas votre responsabilité en tant que pasteur, je trouve qu'aujourd'hui, on est confronté à beaucoup de défis qui nous dépassent. Mm-hmm. Si vous aviez un conseil, une suggestion, moi par exemple je travaille sur toutes les questions liées à la discrimination sur le marché de l'emploi. Est-ce que vous avez un sujet ou un défi auquel vous dites c'est important de le relever ou j'ai une idée pour que les choses aient pu changer, pour que notre société puisse s'améliorer, qu'est-ce que ça pourrait être? Juste une idée. Oui, il y a tellement de choses. Moi, je pense que le plus gros challenge que l'homme a aujourd'hui, c'est de pouvoir changer de système de pensée. Voilà, changer la mentalité d'un homme. Et franchement, honnêtement, si moi j'avais le pouvoir, entre guillemets, je l'ai à mon niveau, hein, au quotidien, mais si j'avais un plus grand pouvoir, j'exhorterais les hommes à revoir leur système de pensée. Parce qu'on parle aujourd'hui de la planète, la destruction, c'est l'homme qui est en train de détruire la planète, mais on ne fait que parler, mais personne ne prend la décision, déjà dans son environnement, de pouvoir changer les choses. Cela, c'est vraiment un défi au niveau de la mentalité. C'est changer le système de pensée d'un homme, c'est en fait son monde à lui. Le monde commence à l'intérieur de notre tête. Ce qu'on pense et à quoi on croit. Et si on arrive à changer, à shifter, à transformer cette manière de penser et à dire qu'on n'est pas seul sur la Terre, qu'il y a quand même des milliards d'êtres humains et qu'en fait, qu'on pourrait, en apportant du réconfort à son prochain, à son voisin qui est dans son palier, à celui ou celle qu'on voit dans le métro tous les jours, ne fût-ce qu'un sourire, et que ce n'est pas un ennemi, c'est une personne qui est comme nous et qui a peut-être aussi des défis, des besoins. Je pense qu'on pourrait quand même rendre le monde un peu plus meilleur. Je pense. Voilà. Très bien. Mais et c'est vraiment des petites choses. Hein, justement, si vous aviez une baguette magique et que vous avez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Je commencerai par ça. Par les pensées. Par les pensées. Revoir complètement la matrice. La matrice, voilà. Comment les hommes pensent. Voilà. C'est important. Alors, homme au sens avec grand tête. Grand âge, voilà. Homme comme femme. Très bien. Est-ce que vous avez une phrase, une devise qui vous inspire ou qui illustre vos propos ou votre personnalité? D'accord. La devise, c'est vraiment croire en la vision. Déjà, avoir une vision et croire en la vision. Et dans cela, je pense à un auteur que j'aime beaucoup, et qui est Yvan Castano, qui a l'habitude de me dire, tu sais, la vision, en fait, c'est... La vision est ce qu'on continue de voir quand on a fermé les yeux. En fait, c'est le rêve qui est enfoui à l'intérieur de nous. Chaque être humain a un rêve, des fois secret, qu'il a à l'intérieur de lui et qu'il aimerait de même peut-être réaliser, mais il ne sait pas, au fur et à mesure qu'il avance, quand tout autour de lui les choses ne bougent pas, il pense que son rêve est mort, alors que le rêve est toujours là. Ouais. Même quand on ferme les yeux, ce qu'on continue à voir, c'est ça le rêve. C'est magnifique. Voilà. En préparant cette rencontre, on nous a demandé de venir avec un objet. Quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir et la féminité. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Alors j'espère que vous n'avez pas trop rigolé. J'ai ramené un objet qui a une très grande importance pour moi. Mais alors
Voilà. En effet, je n'aurais pas pensé à ça. Exactement, exactement. Comme quoi, alors on parle de pouvoir et féminité. Ah et bah effectivement, oui, alors... cet objet que vous voyez, donc, comme vous pouvez le constater, c'est un casque, voilà, un casque de chantier. Et ce casque, pour moi, a une double signification. Premièrement, c'est le casque que moi, femme de foi, je dois mettre tous les jours. Voilà. Le plus vieux, le plus ancien livre, qui est la Bible, m'exhorte, quand je lis ce livre, de mettre le casque qu'on appelle le casque du salut. Et voilà. Aussi qu'on puisse vous repérer aussi. En exactement. Tant que... Ah oui, oui, oui. Exactement. Deuxièmement, c'est que ce casque, qui jadis était un signe de virilité, de pouvoir, qui symbolisait en fait qu'un instrument, enfin, un objet que portaient uniquement les hommes qui seuls étaient habilités à être sur les chantiers, à faire des métiers durs, à être des ferrailleurs, à être des maçons, porter des choses lourdes. Mais en fait, aujourd'hui, on se rend compte que ben, les métiers d'hommes, il y a certains métiers d'hommes, les femmes peuvent les faire. Absolument. En fait. Et aujourd'hui, lorsque vous allez sur les chantiers, vous voyez les femmes avec un casque de chantier. Donc, ça montre quand même que la femme a une capacité, entre guillemets, enfin, elle peut faire beaucoup de choses. Absolument. C'est souvent la femme elle-même qui se limite, elle peut faire beaucoup de choses. Tout à fait. Et moi, j'encourage les femmes qui sont sur les chantiers. Très bien. Si une petite fille regarde cette émission et déclare, quand je serai grande, je voudrais être Modestine Castano. Vous lui diriez quoi? Je lui dirais, c'est une bonne chose. Oui. Si je peux être un modèle pour toi, c'est bien. Mais je paye un prix au quotidien. Voilà. Ma force ne vient pas de moi-même ou de mes capacités ou des opportunités que j'ai eues dans la vie ou de tout ce que je peux réaliser. Mais j'épuise ma force dans le Seigneur. Et ça, c'est vraiment important. Parce que je ne suis qu'un être humain. Et que tout ce que j'arrive à faire... C'est parce qu'il y a quelqu'un qui me donne cette force. Et j'ai tendance à dire, je le dis souvent, c'est que je ne suis pas une femme. Je suis une femme, pas forcément une femme forte, mais je suis une femme solide. J'aime bien parce qu'en fait, je puise ma force dans le Seigneur, donc c'est lui qui me rend solide. Donc je peux tenir, voilà. Et la solidité, elle est durable. Elle est durable. C'est pas quelque chose, parce que la force peut être juste éphémère, à un moment T. Exactement. En revanche, quand vous êtes solide, en général... C'est dans la durée, c'est que c'est du... C'est du solide. C'est du solide. Exactement, oui. Très bien. Notre entretien touche à sa fin. Donc, pour Modeste Castano, en nommant en une phrase, le pouvoir, c'est... Le pouvoir, c'est l'exercice de l'autorité avec équité et justice. Très bien. Mais merci beaucoup, Modestine. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci de m'avoir sollicité. Ça a été vraiment un grand plaisir. Oui, moi aussi, ça a été vraiment une joie. Merci. Très bien.